Ah non, des points de pouvoir. On va bientôt arriver aux 20 000. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ok, encore une super rare. Oh non, c'est pas vrai. On a eu déjà beaucoup de points de pouvoir là. Super sale, il faudrait vraiment que vous mettiez un maximum pour plus qu'on puisse en débloquer après, parce que ça sert vraiment à rien. Là, je vais pas vous mentir, je suis rodé pour les prochaines années, donc on a encore des points de pouvoir. Ok, des doubleurs de XP, pourquoi pas. Ok, première. Premier star drop, un peu intéressant. On peut avoir une petite emote cool, on peut avoir un tag, on peut avoir un skin à 30 gemmes également. Allez. Bon. Pour l'instant, c'est pas fifou. Ok, une rare. Allez, des pièces, s'il te plaît. Oh non, mais non, voilà, par contre. Là, je vais crier au scandale, Supercell. Là, vous nous proposez quelque chose qui n'est pas intéressant. Ok, épique, allez. Non, 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 mais pitié. Ça, vraiment, c'est vraiment l'inutilité la plus totale. Pour l'instant, j'ai rien eu d'intéressant. Ok, des pièces, alléluia. On est déjà à la moitié, les amis. Je suis un peu plus vite que d'habitude, parce que là, du coup, il y en a une deuxième à ouvrir. Et de toute façon, même si on n'a rien, après, on ira faire du petit gameplay sur le petit compte. Donc, c'est pas grave. Ok, super rare. Ok, des pièces. Ok, maintenant il faudrait une légendaire, tu vois. Une légendaire ou une mythique, ce serait pas mal, ça nous mettra très bien. Des points de pouvoir, évidemment. Comme si on n'en avait pas assez. Ok, encore une rare. Ok, doubleur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, ok, premier truc cool. La petite emote de Janet qui rigole, elle est plutôt sympa. Ça fait plaisir, au moins on n'aura pas rien eu. Même si là je crois qu'on se mange un énorme karma. Ok, des pièces. Là, il en reste 5, je commence à avoir très peur, je pense que on va faire chou blanc pour ce star, pour ce méga pic. Ok, super rare. Doubleur, pourquoi pas. Ouais, là ça devient vraiment flippant. Ok. Épique, allez, s'il te plaît, régale-nous. Aïe aïe aïe. Bon, espérons qu'on fera mieux sur le petit compte. Ok. Aïe. Ah ouais, non, vraiment, c'est la. Là, c'est la S, les amis. Ok, des pièces, pourquoi pas. Allez, allez. Aïe aïe aïe. Et je crois que là, on a fini, hein. Oh là là, oh la clim, oh la clim de zinzin. Ok, du coup là on a le reset. Donc ça va vous spoiler un peu les futures vidéos rentrantes. Voilà, vous avez vu Rosa, Monsieur M c'est déjà sorti, vous avez vu Cordelius aussi, bref. Voilà, donc on récupère pas mal de bling par contre. Ouais, on va regarder un peu ce qu'ont eu les gens dans le clan. J'ai eu Korbach super héros, une icône de joueur et deux emotes. Ok. Moi j'ai eu que ça, ok bah déjà ça va, c'est une emote rare. Emote. Ok, Gare Blackbird. Je crois qu'on a vraiment fait le pire truc du clan. Donc on va aller récupérer un peu tous les trucs. Hop. Donc les amis, vous avez vu que j'ai plein de blings. J'attends que le skin de Polly. Le skin de Polly simplement sorte en bling. Et je l'achète direct. Et je vous fais une vidéo. Vraiment. Donc écoutez les amis, on va directement aller se rendre sur le petit compte de Squid ASMR. Et en espérant qu'on aura plus de chance que sur celui-ci. Allez! Ok, les amis, donc là. Là, ça rigole plus. Là, on peut des dingueries. En vrai, le gros compte. Voilà, j'ai pas mal de blinks et tout. Je suis refait, vous voyez. Genre, je vais pouvoir me faire plaisir. Là, le petit compte. Un peu plus compliqué, on va dire. On a moins de ressources. Vu qu'on a pigeon quelques trucs plutôt sympathiques. Que je n'ai pas encore tourné d'ailleurs, donc je le ferai peut-être en même temps que cette vidéo, je sais pas. Mais là on voit une dinguerie, donc on va casser ce cochon rempli à max grâce aux membres du clan. Ah, peut-être pas à max parce que je vois qu'on a moins de blinks que sur le principal. Et évidemment le voisin qui sort au même moment, donc frérot s'il te plaît arrête de laisser une dinguerie, il sait pas ouvrir sa porte. Allez frérot, va-t'en. On peut plus t'entendre. On attend qu'il parte. Allez. Bon, on va dire qu'il est parti. Ok, des points de pouvoir, des pièces, en vrai c'est bien. Ah non, on a que 11 star drop. Ah, oh. Oh mais attendez, par contre, on commence avec une dinguerie. Oh, tournez pas les points de pouvoir, s'il vous plaît, pas des points de pouvoir. Allez, 3, 2, 1, avec le nez. Hop. Oh oui, let's go, un nouveau brawler. Arcade qui tombe. Ok, ça régale. Ok, un brawler. On continue. Ok, avec une épique. Ok, ce méga pic a l'air mieux. Ok, en plus on a des pièces. On continue les amis. Ok, une rare. Ok, pourquoi pas. On continue. Ok, super rare. On veut que des pièces, les frérots. On veut que des pièces. Ah, il y a des points de pouvoir. Vous avez vu déjà, on commence à stacker les points de pouvoir sur le gros compte, sur le petit compte. Alors, imaginez. Franchement, si même sur les petits comptes, on a trop de points de pouvoir, c'est terrible. Ok, encore une rare. On a eu des pièces avant. Les points de pouvoir qui retombent.
La clim, let's go. Ok. Oh, on va en finir sur une rare. Je crois que c'était le dernier. Ah ouais, d'accord, on finit sur les points de pouvoir. Vous êtes le contributeur numéro 1. Oh, c'est pas fini, les amis. Ah ouais, pas bah d'accord, ok, une rare. Let's go. Non, mais frérot, là, tu me donnes pas envie de d'être le premier du clan, là. Allez, une dinguerie sur le dernier. Hein. Je suis numéro 1, je mérite bien une légendaire. Non, mais c'est une blague. Ah ouais, d'accord, des points de pouvoir bonus, quoi. Bon, bah, yes. Bah, en vrai, de vrai, c'est éclaté, hein. On va pas se mentir, donc on va améliorer Daryl. Ok. On va améliorer Daryl. Et voilà, quoi. Du coup, les amis, voilà, c'est ça la petite dinguerie de cette vidéo. C'est que voilà, j'ai acheté Spike, donc je vous mettrai peut-être au montage mon achat. Je sais pas trop. Mais j'avoue que j'avais craqué au final pour le skin. Et du coup, bah, on a Arcade. Et du coup, bah, là, on a vraiment beaucoup de pièces. Donc je pense que je vais maxer Spike. Enfin, maxer. Je pourrais pas le maxer, mais je vais aller acheter son petit cactus en pot. Et je pense qu'on peut le monter pouvoir 8. Voilà. Par contre, on n'a pas assez pour ça. Ok. Ok, on a bientôt les pièces. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans la boutique. Ok, on a des doubleurs d'XP gratuits. Donc on va récupérer ça. Et je voulais voir aussi, est-ce qu'on pouvait acheter un skin? Ok, non, il nous manque 21 gemmes. Du coup, en vrai, je vais réfléchir un peu en avance déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme skin cool? Parce que du coup, on avait eu lui dans un Star Drop. Colt, il a pas de skin. Nita, on avait eu aussi. Bull, on avait acheté. Shelly. Bah ça du coup c'est super salité, donc en fait on a pas mal de brawlers. Lui il va bientôt avoir, ah bah il l'a déjà. Il a déjà son skin Daryl la mascotte. Donc franchement on est bien. Et du coup bah les amis on va regarder un peu dans le clan, est-ce qu'ils ont des trucs cool. Ok, bon ils ont bien fait de refuser, c'est visiblement une personne qui parle pas français. Voilà, ça sert à rien en vrai de vrai, on va pas se mentir qu'il y a des gens qui parlent pas français qui rejoignent le clan. Le principe c'est que ce soit des abonnés à la chaîne. Bah surtout des abonnés qui parlent français pour qu'on puisse échanger et tout. On est parti en solo les amis directement avec Spike. Le petit skin, franchement le skin est magnifique. Hein? Là je pense qu'il n'y a personne qui peut dire ouais t'abuses machin. T'aurais pas pu, tu pouvais acheter mieux. Franchement on pouvait difficilement acheter mieux donc on va péter le tick directement. Je sais pas si on est contre des vrais joueurs ou pas. Je pense qu'on est contre des bots. Non mais le skin a beaucoup trop de flow et je l'ai pas sur mon gros compte. Hein. Donc vraiment je suis refait sur ce petit compte. C'est incroyable. Le skin est beaucoup trop beau. Ok on est contre des bots. Ok, visiblement, les voisins ont encore décidé de faire du bruit. Et j'ai pas de chance. À chaque fois. Vraiment, mais je vous assure. Je tourne quand il n'y a pas de bruit et tout. Et à chaque fois, je sais pas, ils doivent se dire. Tiens, il est en train de rec, on va faire le bordel. Non, mais frérot, ça y est, t'as décidé de faire ce tout le monde, c'est comment là? Bon, bah, rip. De toute façon, je vais continuer parce que vas-y. C'est pas comme si non plus j'avais 50 milliards de créneaux pour faire des vidéos. Là, j'en profite, c'est le midi. Normalement, ils sont censés tous être en train de manger. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si on peut faire trop de bruit, bah. Bah, si. Ok, donc. On est en survivant. On a 10 boîtes, donc là, normalement, c'est top 1 assuré. J'ai encore 3 cactus. En plus, on est contre un ricochet, donc ça va le faire. Est-ce qu'on peut le one-shot? Ok, non, on peut pas le one-shot. Et du coup, c'est le top 1 qui tombe, les amis. Et du coup, oui. Là, on va avoir des Star Drop bonus aussi. Oh. Ah, oh, bah oui, bah parfait, ça. On a. Ok, Star Drop. Ah, oh, yes, ok. Ok, des pièces, s'il te plaît. Ok, des pièces. Nickel, ça. Ça c'est parfait les amis. On va pouvoir. Ah j'hésite. Est-ce que c'est mieux de l'améliorer ou d'acheter un équipement? Pour moi c'est l'équipement tous les jours. Ouais c'est l'équipement. L'équipement est 100 fois plus intéressant je pense. Oh. Oh non je croyais que c'était un bug. Je croyais que c'était un bug. Ok donc du coup le petit Spike qui passe en maîtrise. Je pense que c'est le premier qui a sa maîtrise. Bull on ne doit pas être si loin que ça. Ok il faudra que je joue Bull aussi tout à l'heure comme ça je pourrais améliorer Spike. Mais du coup là on a l'équipement.
gadgets, mais en vrai de vrai on en a trois. Et une fois qu'on aura pas mal d'énergie, on en aura moins besoin vu qu'on sera plus tanky et qu'on fera surtout beaucoup plus de dégâts. Mais ouais, franchement, attention à Staryl quand même. Là j'avoue que j'ai été un peu surpris par... Oh purée. Non mais c'est une blague, mais les bots ils sont boostés là. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait un move de zinzin. Ok, en plus on gagne un trophée, donc pourquoi pas. Ok, d'accord. Donc le frérot, visiblement, bah il était boosté quoi. Il a fait vraiment un move de zinzin. Il a fait un double rebond, du coup j'ai rien pu faire. J'ai mis clic mon gadget parce que bah, vous savez bien que je joue pas. Je joue beaucoup moins bien quand je tourne une vidéo, vu que je peux pas mettre mes mains sur le côté de la tablette, vu qu'il y a le micro. Enfin, le micro de la tablette, hein, j'ai pas de micro pour faire de l'ASMR. J'ai pas d'intérêt d'en acheter un, budget parce que j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Et pas parce que pour l'instant je gagne pas d'argent avec l'ASMR, donc pour l'instant, non. Le micro de l'iPad, est visiblement, vous avez l'air d'être satisfait, donc peut-être même que je n'achèterai jamais de micro. Bon, sauf si je commence vraiment à avoir un grand nombre d'abonnés et tout. Bon, toi, tu bouges. Tac. Mais pour l'instant, non, j'ai pas vraiment d'intérêt. Ok, donc, on va régénérer tranquille. On va récupérer notre petit bouclier. Hop, j'espère vraiment que le skin vous plaît. Moi, personnellement, vraiment, ça a été un coup de cœur. Ok. Mince, je voulais ult le primo. Pas ult lâché. Ok, mon ami. Oh, purée, vraiment, je me suis vraiment mangé la météorite, là. Oh, bah, lui, vraiment, il est pas malin. Hop. Hop, là. Désolé, je suis encore enrhumé, hein. C'est un peu relou. Mais bon, c'est un peu la période aussi, en même temps. C'est un peu une bonne chose, on va dire, qu'il fasse froid en hiver, parce que s'il commence à faire chaud en hiver, là, la planète, c'est vraiment qu'elle est foutue. Hop. Ouais. Bah, il est relou, lui. Ça, c'est le gros problème aussi des gros noobs, on va pas se mentir. Ok, pouh, oh, bon, alors là. Oh, son ulti, là, il l'a massacré, là, il a pas respecté le brawler. Tac, tac, bon. Voilà, encore un qui a campé toute la game et qui va ramasser le top 2, parce que là, je suis jamais de la vie. Jamais de la vie, elle fait top 1, là, j'ai dit, jamais, jamais. Et il va se cacher, là. Ah non, elle a cette énergie, elle est pas vue. Mais frérot, là, allez, viens de battre. Sérieux, ça sert à quoi de vendre pendant 2 heures, là? Tu perds juste du temps. Laisse-moi mon top 1. Mange ton top 2, voilà. Parfait. Je sais pas pourquoi ils se cachent, en fait, alors qu'ils savent très bien que le résultat va être le même, quoi. Je veux dire, ils ont pas plus de chances de gagner à la fin de la tempête. Je sais pas. Et du coup, oh oui, c'est vrai qu'en plus, on est en plus de pièces, donc ça régale. Je pense qu'on va faire une game avec... Enfin, une game ou deux avec Bull. Histoire d'avoir ça... Les 750 pièces de sa mastery. Malheureusement, vu que Bull n'est ni légendaire ni mythique, on n'a pas 1000 pièces. Il y a plus de récompenses pour ces raretés là. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Avant il y avait Chromatique aussi, du coup en fait on s'est un peu fait douiller. J'avais un peu le seum quand j'ai remarqué ça. Ah, il va être relou lui. Non mais c'est une blague. Frérot, j'étais caché derrière les boîtes. Comment t'as pu tirer à travers? On va aller attaquer ces trois agents. Tac. Parfait. On recharge un truc instantanément. Ah oui, on fait du plus de 5000. Peut-être même du 6000. Ok, là maintenant on tape dans du 6000. Donc là on est énervé. On est énervé. En plus j'ai pris le gear de recharge instantané quasiment de l'ulti. Donc franchement ça régale. Tac. Bon là on a un peu massacré tout le monde. Donc ça fait plaisir. Maintenant il va falloir aller chercher le dernier brawler. Et vu que là on est contre des bots, ça va être assez agaçant parce que il va faire que de se cacher le bot. Et ouais, ça peut être assez relou. Ok, ça va, on a de la chance, on n'est pas tombé trop loin. Paf, paf. Voilà, parfait. Donc le petit top 1 qui régale. On va gagner. Ouais, pas mal de trophées. Ok, on gagne. Ok, on n'est pas du tout à la mastery. En fait, je pensais qu'on allait avoir au bout d'une game. En fait, pas du tout. Ok, donc on a des pièces et des gemmes. Donc ça régale. On pourra bientôt acheter un skin. Ouais, ok, il manque 11 gemmes. Donc franchement ça régale, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais oui, en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous plaît. Voilà, j'essaie de vraiment essayer de faire des concepts un peu variés et tout. Ça c'est assez dur. De toujours faire de nouvelles vidéos. Donc évidemment que voilà, les trucs genre les mégapics et tout, il y en aura toujours. J'ai l'impression que ça vous plaît, donc en vrai, pourquoi changer hein, j'ai envie de vous dire. Et on va ramasser une seule costaud. Hop là, désolé mon ami. Ok, on va aller chercher l'Anita aussi, je pense. Tac, tac. Parfait, on a notre ult. Ça, c'est une technique aussi, les amis. Si vous êtes sûr de péter l'adversaire, en vrai, vous pouvez le laisser un peu vous tirer dessus. Comme ça, bah,
ouais, c'est mieux que les points de pouvoir. Ok, parfait, on va voir les pièces. Ok, donc là, notre spike qui va vraiment être maxé à bloc, je pense. Encore des pièces. Du coup, on va l'améliorer. Hop, est-ce qu'on aura assez pour... Ok, on n'aura pas du tout assez avec le truc de bulle. Il faudra qu'on fasse un autre brawler après. Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'intérêt d'en faire d'autres. On va juste pour l'instant rusher un peu bulle et spike. Après, on reviendra à spike une fois qu'on aura monté bulle en bronze 1 en maîtrise. Mais voilà. Ok, donc on a pas mal de tanks. On a juste un arcade et une Ida. Sinon, on n'a que des tanks. Donc en vrai, pourquoi pas. En vrai, vu qu'on joue bulle, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok, bon, bah lui, on va l'éliminer direct. Merci pour mon super et merci pour l'énergie. Ok, va être relouel. On va, en vrai, on va le laisser arriver. Oh purée, la wifi. La wifi, elle est son prime. Tac, merci frérot, tu régales. Donc là, on a déjà fait 2 kills. Donc en vrai, c'est plutôt cool, on a été utile à la game et tout. Ok, déjà top 5, je crois que là, si on fait top 4. Donc s'il y en a encore un qui se fait éliminer, ce qui va arriver, vu qu'on va prendre le kill. Hop là, oh le double kill. Oh, ça c'était pas mal. Ils ont essayé de me sandwich. Je les ai 1v2. Tac. Bon, bah là, c'était un ulti parfait. Là, vous avez vu. Hop. Je l'ai repoussé comme ça. Il a rien pu faire. On l'a déchiré. Donc, on va aller farmer les boîtes. En vrai, de vrai, je sais pas trop. C'est quoi comme adversaire. Donc, au cas où. Ah ouais, les dégâts. Voilà, dinguerie. Là, je pense que je peux one-shot. Je peux le one-shot. Ok, je peux pas le one-shot. C'est un franc. Tac. On va lui arriver dessus. Hop là. Deux pas trop. On lui a mis des petites tatanes là, le frérot. Ça a dû piquer. Ok, donc là, on a, c'est une dinguerie par contre le nombre de quêtes qu'on a en fait. Et du coup, bah en fait, on débloque les clubs, mais on les a déjà, donc c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ok, un star drop. Allez. Oh oui, mythique. Ok, épique. Des pièces ou un truc cool. Ouais, bah non, ça c'est pas cool. Après, on en a pas tant que ça, mais bon. Ok. Oh, et on débloque Larry et Lori. Attendez, on peut pas changer. En vrai, c'est plutôt un bon brawler, donc en vrai, c'est plutôt cool. Ok, du coup, on débloque Beau après. Donc, du coup, c'est notre première épique. Et c'est Larry et Lori. On va pas l'améliorer pour l'instant, mais en vrai, de vrai, ça régale. Ça régale, ça régale. Non, nous, on va rejouer le petit spike. Hop là. Mais ouais. Ouais. Le matchmaking qui bug là, non. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Je sais pas du tout. Frérot. On a un bug de wifi ou c'est comment? Bon, on va attendre un peu au cas où. Et si ça fonctionne pas dans une minute on va dire, et bah je vous ferai un cut. Donc là on attend. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être ma wifi qui bug. Hein. La wifi de l'université explosé au sol. Enfin, je dis l'université, la wifi de ma résidence universitaire plutôt, vraiment elle est explosée. Là ça va, pendant le tournage c'était à peu près bon, mais dites-vous que des fois je suis en game de TFT. Donc c'est un jeu où faut vraiment pas que la wifi bug. Et bah la wifi bug. Donc c'est relou. Ok, bon, bah je pense que je vais vous faire un cut. Je vous retrouve tout de suite. Ok les amis, donc visiblement le wifi de mon université ne fonctionne plus. Donc là je suis en 4G. Donc la vidéo va pas non plus pouvoir durer 3000 ans parce que j'ai pas 4G limité. J'ai un nombre de gigas restreint par mois. Donc c'est pas grave, j'espère juste que ça va pas se prolonger. Parce que bah, sinon ça va vraiment être relou. J'espère qu'il faut réparer le problème, mais ouais. C'est un peu la raison, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pas grave. Tranquille, on va se faire quelques petites games. Et puis bah malheureusement, voilà, la vidéo va pas non plus pouvoir durer comme d'habitude. Peut-être souvent maintenant je fais ouais 30 minutes minimum. Là ce sera peut-être un peu moins. Mais en vrai c'est pas grave. De toute façon, si vous arrivez pas à dormir, vous pouvez toujours aller voir une autre vidéo. On va essayer de faire alliance avec la machin, non, elle va pas. Bah non, attends, mais je suis bête, pourquoi est-ce que je vais faire alliance? Je suis en rang 13. C'est pas comme si je jouais ma vie. Tac. On va essayer de péter la Ember. Tac. Ok. Il faut faire attention au vrai de vrai. Si elle arrive à nous enflammer, on peut prendre très cher. Tac. Voilà, c'est bon, elle est finito. Elle le sait. Tac. Tu peux plus t'enfuir. Et voilà, une Shelly qui va nous ramasser notre boîte. Alors qu'elle n'a servi à rien. Sauf que elle est foutue. Tac. Ok, donc on a un petit El Primo. Zone plutôt sympathique qu'on va s'empresser d'aller péter. Tac tac. Oh, c'est pas vrai, il va encore jouer au cache-cache le frérot. Il peut pas se rendre. Tac. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est relou ceux qui font ça. Hein.
c'est vraiment relou. Genre, le mec va faire que fuir toute la game. Il va essayer de gratter le top 2, comme d'hab. C'est vraiment, enfin, je sais pas. Moi, je prendrais pas de kiff perso à jouer comme ça. Surtout qu'en plus, je veux dire, on est en rang 13, quoi. Le frérot, il joue pas sa vie et tout. Franchement, c'est chiant. Et là, il va juste charger son ult. Il va me sauter dessus et il va me battre alors qu'il est éclaté au sol. Et c'est toujours comme ça. Et c'est assez agaçant. Tac, on va. Voilà, il va se cacher encore. Allez, la tempête Karinou, voilà, voilà. Ah bah oui, là tu peux plus. Hop, allez, ça bouge. Et l'autre, après, vous allez me dire, il est pas mieux, hein. Il avait que de se cacher aussi. Voilà, vous avez vu. Hop là, comment on l'a pré-shot. C'était cramé qu'il allait nous sauter dessus. Ok, donc top 1, ça régale. En plus, on a la win streak. Du coup, là, on fait un petit plus 14. Franchement, ça régale. En vrai de vrai, ouais, si on pouvait monter Spike rang 15. D'ici la fin de la vidéo, je pense que si on perd la win streak, c'est mort. Mais si on garde la win streak, en vrai, y'a peut-être moyen. Sachant que là, on va prendre du plus 15 par game. Donc là, si on fait top 1, on va être à 250 trophées, je crois. Ouais, ça, 250, puisque là, on est à 235. Donc en vrai, de vrai, c'est faisable. Ok, donc on a une Nita, je sais pas trop ce qu'elle veut. Je crois qu'elle a pas compris qu'elle avait pas la portée. Hop, voilà, on va lui faire comprendre qui c'est les patrons. Hop là, tac tac, on va prendre des petites boîtes, histoire d'être plutôt stacky. Ok, c'est quoi ça, c'est un Daryl, ok. Tac, va l'exploser. Parfait, il va nous laisser nos boîtes. C'est nickel, de toute façon, sinon on l'aurait pété. Donc je pense que oui, il a fait le bon choix là, le frérot. Ah, il est pas content. Ah bah oui. Il est pas content, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Hop là, on va péter la Shelly. Hop, voilà, il va essayer de nous rush comme un imbécile. Sauf que là, il est mort. Qu'on est mort aussi, nous. Non, c'est bon. Tac, tac, tac. Ok, je pense que la perle est finito. Ok, non. En vrai, est-ce qu'on la pète? Vas-y, on la pète. Hop, je pense qu'elle est finito. Oh, c'est pas vrai, la Chili qui va encore ramasser une autre boîte. Non. Ok, bon, on va aller la récupérer, histoire d'être sûr de gagner. Va aller prendre celle-là, mais après c'est un peu débile. Ok, bon, bah merci. Hein. C'est vraiment gratuit là. En vrai, de vrai, là on va attendre, hein, je pense. De toute façon, elle a perdu. Là, à part si je joue vraiment mal, je veux dire, j'ai encore un gadget tout. Elle a ni gadget ni rien du tout. Elle a pas de gear. Donc normalement, c'est gagné. Mais malgré tout, elle va pas aller dans la tempête. Hein. Non, elle va essayer de se battre jusqu'au bout, ce qui est complètement débile. Hein. C'est juste une perte de temps, on va pas se mentir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tac. Et voilà, elle nous a fait aucun dégât, donc c'est parfait. Du coup, on va prendre le petit plus 15 qui régale. Voilà, 250 trophées. Donc là, on est à 50 trophées du rang 15. Donc en vrai, je pense que c'est faisable. Il faut gagner 4 games. Enfin, à partir du principe que je fais 3 top 1 et un autre top. Purée, que des chili et Del Costo. Il y a une Nita, mais ouais, pas beaucoup de diversité à ce niveau-là. Ok, on va aller charger notre ult sur le El Costo. Tac, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Allez, hop, va là-bas. Oh, on a eu chaud. Franchement, on a eu chaud. On a vraiment eu chaud, mais non. Et attends, elle élimine quelqu'un qui bouge pas. Et elle veut teamer, elle a cru. On va devoir emmener à pas trophée, mais à haut trophée. J'élimine pas ceux qui ont des bugs de go, parce que moi, ça m'arrive des fois. Et il y en a qui m'éliminent pas, et c'est vrai que franchement, ça fait plaisir. Parce que prendre un top 10 juste parce que votre tablette est crash, c'est extrêmement frustrant. Perdu, let's go. Là on peut clairement faire top 1, je vais pas vous mentir que là. Oh purée, oh, j'ai vu une météorite passer, j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ce bazar, pardon. J'allais dire un mot peu convenable. Tac, tac. Ok, donc là on a plein de boîtes là. On est beaucoup trop bien, franchement, avec les dégâts de zinzin qu'on met et tout. Tac. Oh, le mine tatane là au frérot, il a rien compris, je pense. Tac.
C'est plutôt cool. Oh, après, il y a le tag de Spike aussi qu'on pourra acheter. Non, je pense pas qu'on va acheter un tag. Non, non, non. On va plutôt se contenter d'un skin. Ah, après, c'est vrai qu'il y a Spike Toon aussi. Hein. Mais bon, Spike Toon, on en est très loin, les amis. Très, très loin du Spike Toon. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai qu'il y a Spike Toon aussi. Spike Toon, franchement, ce skin est juste incroyable. Hein. Je veux dire, je pense qu'il y a peu de personnes qui. Ok, il est cher, mais il est beau. Même sans parler de on va l'acheter ou on va pas l'acheter, franchement, le skin déchire. Tac, tac, tac. Ok, allez, paf. Paf, non. Tac, tac. Ok, je pensais que ça touchait. Bon, bah, lui, on va. Vas-y, claque ta dernière météorite, frérot. Vas-y, vas-y, claque ta météorite. Parfait, parfait. On est dans sa tête. Bah oui, frérot, parce que là, du coup, t'as nulle part où te cacher, là. J'ai peut-être fait n'importe quoi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai laissé s'enfuir avec de la vie alors que j'aurais pu le péter plutôt. Ok, il arrive à s'en sortir. Ça va être compliqué, là, je vois un El Costo qui se gave beaucoup. Ouais, bah 10 qui 25, je pense qu'il va vraiment nous poser des problèmes. Après, en vrai de vrai, il a pas l'air ultra. Ultra smart, on va pas se mentir. Tac. Tout comme c'est Chi d'ailleurs. Qui fait un peu nimble là. On va pas se mentir. Tac. Ok, bah merci pour les boîtes, hein, frérot. Franchement, t'es bête. Hein. T'avais tellement de boîtes et tout, tu pouvais tellement faire un bon top. Tac. On va pas perdre de temps. On va les éliminer. J'ai quasiment récupéré mon ulti, donc. C'est pas un grand gâchis. Et en plus, on sécurise la win streak, donc c'est le plus important en vrai. Parce qu'en vrai, on sait jamais, il peut se passer une dinguerie. Tac, tac, tac. Tac. Ok, on est vraiment bien. Du coup, là, on est beaucoup plus fort que Baptiste du 25. Donc ça nous met très bien. Tac, tac, tac. Ok, parfait. Il a rien pu faire, le frérot. On l'a atomisé comme tous les autres. Donc là, les amis, ouais, on est potentiellement à 2 games. L'objectif, donc c'est cool, et on récupère encore des pièces, donc on est vraiment pas loin du pouvoir star de Spike. En vrai de vrai, je sais pas trop lequel je prendrais parce que j'aime bien aussi celui qui régénère, mais en vrai, je pense qu'on prendra quand même Balcourbe, donc avec les petites épines incurvées, franchement, ça mettra très bien. Tac, ok, donc visiblement, il y a un adversaire qui se cache ici, je sais pas où il est. Après, on s'en fiche un peu du moment qu'ils viennent pas nous attaquer en surprise. Tac, tac. Ok. Parfait. Donc, je pense qu'on va aller péter son frérot aussi. Enfin, son frérot. Il n'a pas l'air d'être trop frérot vu comment ils se sont mis dessus, mais bon. Tac, ok, on va péter le franc. Tac, on va pas se gêner. Est-ce qu'elle va aller dans la tombe? Oh, j'aurais bien rigolé si elle avait été chercher la boîte. Ok, donc là c'est top 1, là c'est top 1 ou rien, je vais pas vous mentir. Vu comment on est bien, oh bah parfait ça. Est-ce qu'on one-shot la boîte? Attention. Ah oh, non, dommage. Dommage, dommage. Où est-ce qu'il est? Enfin, où est-ce que. Ok, bon bah. Je sais pas ce qu'il a essayé de tenter, mais bon, frérot, là tu t'es fait atomiser. Ok, donc là, on est à combien de top 1 sur ce compte? Ok, 21. Donc ça régale. Et du coup, on est 29, les amis, donc il reste une place. Si quelqu'un veut rejoindre. D'ailleurs, faut que je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont pas connectés. En vrai, je me suis dit, ouais, une semaine sans jouer, c'est kick. Ok, donc visiblement, tout le monde a. Lui, il est membre. On va le mettre senior. Paf. Je pense que sinon, tout le monde est senior. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont mis le ASMR dans leur pseudo, donc merci d'avoir joué le jeu. Franchement, ça fait plaisir. Attendez, d'ailleurs, j'ai peut-être reçu des demandes d'amis. Ouais, ok. Il est français, lui. Non, il est pas français. Non, lui, c'est parce que j'ai joué avec lui en méga pique hier, je me souviens de lui. Tac. Donc, j'accepte que les abonnés en amis, hein, évidemment. Ça sert à rien que je shoot des gens qui ne regardent pas mes vidéos. En vrai, ça n'a pas grand intérêt. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si j'étais. Genre, j'avais des rangs 35 sur ce compte ou quoi. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Ok, donc encore une fois, plein de jelly. En vrai, franchement, ça nous va bien parce que le spike est quand même bien amélioré. Donc,
soit je suis mort. Donc dans tous les cas, autant essayer. Et il a bien joué. Bien joué à toi, frérot, franchement. Ok, bon, lui, il joue son gadget de noob. Voilà, ça, on sait clairement que c'est un petit compte. Parce que bon, personne joue ce gadget, on va pas se mentir. Le gadget est pas mauvais, mais l'autre est tellement fort que... Voilà, quoi. Tac, on va essayer de faire un truc comme ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, le focus. Allez, hop, toi, tu bouges. Hein? Voilà. Nous aussi, on va te focus, tu vois. Voilà, ah, t'as le seum. Chien, chien. Oh, bah, en plus, hein. On en fait deux, donc. Deux pour le prix d'un. Deux chélis pour le prix d'une. Ok, bon, bah, toi, t'es vraiment, vraiment pas malin. Ah, bah, moi non plus, je suis pas malin, en fait. Et voilà. Et le mec qui campe, qui va ramasser. Et on est à un trophée, donc j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, dis qu'on va refaire une. Mais ouais, Shelly, franchement, c'est vraiment un brawler insupportable. Hein. On va pas se mentir, je pense que on aimerait tous que ce brawler soit nerf. Ou je sais pas, mais qu'il soit rework, mais qu'il soit plus aussi relou, parce que c'est vraiment agaçant. Et tout comme Miko, Edgar, des brawlers comme ça, franchement, des brawlers qui nous pourrissent la vie. Que personne n'aime, à part les gros noobs. Parce que c'est le seul brawler qui arrive à jouer, on va pas se mentir. Genre, personne dit mon brawler préféré c'est Edgar. Enfin, s'il y en a, je sais. Mais bon, voilà, je vais pas être méchant, mais bon. Même si vous êtes un abonné, hein, je vais pas faire l'hypocrite, je veux dire si votre brawler préféré c'est Edgar, si vous êtes un peu un noob. Tac, parce que bon, excusez-moi, mais le brawler vraiment, c'est comme Jackie quoi. Hein. Tu utilises ton ulti, t'appuies sur un bouton, voilà, c'est tout. Le brawler vraiment pas compliqué à jouer. En plus, avec l'hypercharge, t'as juste à attendre. Oh là là, oh le move de Golio. Regardez ça. Mais là, ça commence à focus, vous avez vu. Et pourtant là on est en rang hyper bas. Tac. Mais vous avez vu là comment il s'était beaucoup sur moi, c'est honteux. Tac. Et j'ai réussi à survivre. Pouf, en plus il s'appelle Ira, lui, mes frérots, mais va te coucher. Va te coucher justement. Écoute mes vidéos ASMR. Pouf. Tiens, vas-y, on va spin. Hein. Avec une croix. Ça, il va avoir le stum. Si c'est vraiment un fan de Ira, il va rage quitte. Parce que Ira, c'est un gros rageux. Là, je pense qu'il va juste nous sulter à la tronche. Non. Ok, allez. Ah oh, non, purée, elle a régène au même moment. Elle a eu de la chance. Tac. Ok. Allez, non. Purée, j'ai raté ma balle. Tac. Ok, oh, bon, alors là, elle a pris... Elle a pris ultra cher. Oh non, j'ai pas de bol. Est-ce que c'est un truc comme ça? Comme ça?